Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour l'événement chaque caisse vous offre une unité de marchandises. D'accord, faut qu'on protège ça. Je sais pas si c'est PVP ou PVE comme mode. C'est la première fois que je fais, donc c'est l'événement marchand. Bon, j'ai plus le nom, c'était avec une caisse. J'ai plus du tout le nom, c'était avec une. Pas Payshu? J'aurais bien aimé avoir un cheval au moins histoire de qui serve de. Ah si c'est bon il va venir. De protection s'il peut prendre une balle au cas où. Donc ça a l'air d'être contre des PNJ, je vois déjà des points rouges. Oh il y a tellement de points rouges. Ah non mais il faut monter sur le train. Après j'imagine qu'on n'a qu'une vie. Donc faut pas que je me fasse avoir. Assez rapidement. Par où est-ce que ça va sortir? Derrière. D'accord, donc c'est vraiment du full P. Ah, mais il y a tellement de thunes. Ah, mais il y a tellement de thunes à se faire en vrai. J'y pense, mais là, il y a. Y a... Ah, tout le monde qui a dégagé. Objectivement, genre vous sortez, vous fouillez les mecs, il y a quand même une bonne thune à se faire. Bon là je vais plus être là en mode tryhard pour réussir. Déjà on a perdu une caisse. C'est un peu chiant. C'est la première fois que je fais, hein, donc je sais pas du tout s'il y a une technique, s'il faut mieux se mettre à un endroit ou à un autre. Juste là je me dis que j'ai peut-être une chance d'être plus efficace qu'à un autre endroit. Vu que je suis en hauteur, je peux voir jusque là-bas. Et je pense que mon fusil à verrou peut toucher jusque là-bas. Donc d'accord, c'est vraiment du PVE. C'est cool. Ça change. Ça change, non, en fait, souvent les événements des métiers, c'est du PVE. Je crois même que tout c'est du PVE. Mais là, celui-ci plus intéressant que chasseur de primes. Parce que là c'est vraiment une coop. Et c'est comme ça que je le sens. On est là en mode c'est une coop. Le but c'est qu'on s'entraide. Pour réussir à le faire. Après j'imagine qu'il doit y avoir un système de points vis-à-vis du nombre de personnes qu'on tue, mais c'est sympa d'avoir ça, une sorte de véritable entraide. C'est le seul événement qui a ça. Le collectionneur, j'imagine que c'est comme pour chasseur de primes où il faut capturer. Pour collectionneur, j'imagine pour ramasser les objets, et que chasseur de primes fallait capturer les mecs. Là c'est cool, ça fait vraiment un truc coopératif à grande échelle. On est, je sais pas comment, je sais pas du tout. Une bonne tête. Je vais me mettre en première personne, ce sera plus simple. Putain, mon cheval est là. S'il faut que je saute au cas où. Faut quand même. C'est une carabine ça. Peut-être même celle de base. Ouais, ça rend mieux comme ça. C'est un petit style. Pas vraiment pour la personne. Donc, par contre, je sais pas le temps que ça met. Ça met 30 minutes. Ça m'a l'air d'être quand même bien long si c'est 30 minutes. À voir ce que ça donne comme récompense. J'imagine de l'XP. Mon arme est relativement propre, donc ça. Je sais pas ce qu'il fait avec son cheval. On a perdu qu'une caisse, c'est bien, mon cheval nage. Donc, je dis, hein, je pense que vraiment appeler les chevaux, ça peut être une bonne idée. Comme ça, s'ils peuvent encaisser une balle. Vous avez quitté ces activités pour les ajouter une... ou vous prenez le risque de continuer pour tenter d'obtenir plus de marchandises. Oh, j'ai bien envie de tenter. Donc comme ça on peut continuer à l'infini. D'accord. 6 marchandises. Okay. On est à 11. D'accord, c'est comme ça que ça marche.
En fait, faut. Oh, mais faut être jusqu'au bout. Et c'est des marchandises qu'on revend ou c'est les objets dont il a besoin? Les marchandises, non, non, c'est les objets qu'on peut revendre directement. C'est le chariot à la fin et toutes les marchandises. D'accord. C'est grave cool en fait. Parce qu'avoir 11 marchandises, je sais pas combien ça a fait. Parce que des fois on dépose des objets, et des fois on voit c'est 0, quelque chose, des fois c'est 7. Je crois le maximum que j'ai eu c'est 4 ou 5. Pas 7, hein. Ça c'est plutôt mon délire. Mais je me dis que. Je sais pas si ça correspond à vraiment un truc. Et ça fait le défi de train. Oh, c'est grave intéressant. On tue des gens et ça fait le défi de train. Quelle idée. C'était étrange ça ce qu'on vient de voir. On va faire. C'était normal, c'était un événement, c'était une hallucination collective, on va dire. Donc ça va durer très longtemps. Voilà, je vous conseille en vrai, parce qu'il va pas se passer non plus grand chose. Faut vous laisser la vidéo en fond histoire de faire monter mon watch time. Ah. Ou parce que je lui ai entendu dire un truc sur le côté, ça peut éviter ça. Ça m'étonnerait qu'il se passe vraiment des choses très palpitantes. Mais en tout cas, de voir combien ça rapporte à la fin. Parce que là, on se débrouille bien avec la team que j'ai. Donc, comme ça, on va vous voyez à la fin combien ça rapporte, si ça vous intéresse. Mais lui est sympa. Faut juste voir combien ça rapporte à la fin. Bah, là, déjà, ça rapporte des marchandises, donc c'est cool. Ça rapportera pas de dollars, je pense pas. On va pas non plus abuser. Alors là c'est un rapport de dollars mais c'est le masterpiece, c'est clairement le meilleur. Là je viens de voir dans les scores que je varie, donc je pense c'est vis-à-vis du nombre de kills qu'on fait. Je sais pas s'il y a un bonus. Un mec trop loin. Pas du tout. Comme ça. Je sais pas c'est quoi le mieux d'être à l'avant du train ou à l'arrière. Parce qu'au moins l'avant j'ai vraiment la blinde de mec quoi. Et après peut-être que à l'arrière c'est peut-être un poil mieux. Il s'est fait canarder. Mais quoi, ils tirent sur personne derrière. Ça a bien explosé. Ça va, là, on en a encore pas mal des marchandises. Après, je sais pas vraiment si ça dure pendant 30 minutes. Si ça dure pendant 30 minutes, quand même, c'est bien. Puis non, puis si tout le monde reste, on peut faire un bon truc, hein. En vrai, je pense vraiment que si vous jouez avec des potes, là, vous pouvez vraiment exploser les. C'est la petite chanson de thème, ça. Vous pouvez vraiment exploser le compteur. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui dit, hein. Je pense que tout le monde va rester jusque la fin. En tout cas, le plus longtemps possible. Six marchandises, on est à 16. C'est bien. Peut-être qu'à 25, ça s'arrête, histoire de faire un chariot complet. Je sais pas combien est le record pour combien on peut en avoir au max. C'est bien le singer. Genre si on peut en avoir 100 au maximum, il faut être une petite squad et vous y allez avec et là on est bien. Bon après je pense qu'au bout d'un moment ça va être chiant. Parce qu'au moins chasser il y a un peu d'adrénaline parce qu'on peut changer les endroits, on va d'autres lieux, avec toute la map, que là le train, bon. Il y a des filles du train, mais c'est pas ouf. Bon, la vitesse du train, pas très très agréable. Ce qui est normal, mais au bout d'un moment, ça doit être bien chiant. Et je pense que je le ferai peut-être d'autres fois, peut-être avec des potes. Je vais ouvrir les yeux, monsieur. J'ai vraiment marqué que j'ai pas du tout. Si ça va, j'ai une bonne tenue pour le lieu. Pour les spots chauds, ça va encore ici. Ouais, je sais pas ce que ça fait si on meurt.
Ça, c'est vraiment le truc que je me demande. Si on perd, je pense que oui. C'est un risque de prendre le fait de continuer encore. Allez, la chute, la chute. C'est fait rattraper. Parce que là, sur la carte, on peut aller encore où le train? Là, on en arrive à Heinsberg. Il va pas faire le. Parce que là, s'il continue, ça va être long. Il y a presque rien en chemin. Oui, j'ai des dynamiques et des gogoles, lui. Tous les mecs. On est tombé sur un gogol ou quoi? Encore, hein, même dans des events coop, il y a toujours des mecs pour emmerder les autres. Hein. On arrive à Heinsberg. D'accord, ça se termine là. Alors, pas mal d'XP de marchand. Des dollars en plus. 347, alors que je suis pas le premier. Mais ça fait vraiment que marchandises gagnées pour Crips et compagnie, 16. J'ai fait 16 victimes aussi. Je sais pas si c'est un bug ou si c'est juste par hasard. Mais en tout cas... Bah c'est pas mal à recommander de vivre. Clairement, celui de chasseur de primes, j'ai dit que c'était de la merde, mais lui là en plus, si ça fait vraiment monter les marchandises, bah c'est le feu. Qu'est-ce que vous attendez? Faites cet event. J'arrêterai de parler. Non, sérieusement, faites cet événement. Je vais y arriver. Faites cet événement, c'est plutôt bien. Ça fait de l'XP, ça peut vous changer vite fait. Des choses que vous faites que de faire que chasser, chercher des ravitaillements et déposer votre matos. Il a un bon style, lui. Bon, j'aime pas trop les armes blanches comme ça, je trouve que ça fait un peu kiki, mais bon. Chacun ses goûts. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et on se revoit pour une prochaine vidéo. Salut!